Mon inspiration, je dirais qu'elle vient de l'humain, je dirais, hein. Enfin, c'est-à-dire que j'aime le portrait parce qu'à travers un portrait, on voit beaucoup de choses finalement dans le regard d'une personne. J'ai toujours été passionné par le dessin, que j'ai pratiqué depuis. J'ai commencé à dessiner il y a très très longtemps, hein, enfant. Et puis j'ai eu une longue interruption. Pendant un long moment, je n'ai plus touché un crayon. Mes missions, hein, tout le vécu que j'ai en tant que sous-officier de l'armée de terre, a eu une incidence sur mon travail, sur ce que je dessine. Parce que bien évidemment, une carrière militaire, c'est fait que de rencontres et de belles expériences humaines. Aujourd'hui, je sais que le dessin a pris une importance chez moi parce que, au retour de ma dernière mission en Afghanistan, le dessin m'a permis une mission qui a été particulièrement difficile. Je sais aujourd'hui que le dessin m'a permis d'avancer, de me redresser.